L'entrepreneure québécoise d'origine haïtienne, Fabienne Collat, milite depuis plus de 15 ans pour promouvoir la diversité culturelle dans les arts et la culture. Elle a créé pas moins de 8 festivals couronnés de succès au Canada, aux États-Unis, en Haïti également. Elle a été nommée par le Women's Executive Network comme l'une des 100 femmes les plus influentes de 2019 au Canada. Fabienne Collat, bonjour. Bonjour. On va revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes comédienne également. Vous êtes arrivée au Québec à l'âge de 24 ans, c'est ça? Oh mon Dieu, vous êtes très bon, oui, absolument. C'est ça? On a fait le bon calcul. Et en espérant percer un peu ici, finalement, comme ça, vous êtes devenue femme d'affaires. Oui, je pense que j'ai toujours été entrepreneur parce que quand j'étais en Haïti, par la force des choses, je vendais toutes sortes de choses, je démarchais des initiatives, des produits, etc. Donc, c'était peut-être déjà en moi. Et ici, l'atmosphère était juste propice pour que je reprenne ce chapeau-là, mais cette fois-ci pour une bonne cause, pour faire avancer la diversité dans les arts et devant et derrière la caméra. Et on vous surnomme la reine des festivals, c'est pas pour rien. Là, je faisais le décompte, on en perd un peu le décompte, mais vous avez fondé plusieurs festivals, dont le Festival international du film Black de Montréal. De Toronto, d'Halifax. Là, on vient de lancer... 9e, parce qu'on vient d'annoncer la création du Festival du film Black de Salvador à Bahia, au Brésil. C'est la ville où il y a le plus de Noirs à l'extérieur de l'Afrique. C'est une ville où il y a à peu près plus de 80% de Noirs au Brésil, donc c'est extraordinaire. Et là, on avait le maire qui était avec nous, et c'est avec nos partenaires G-Rose. C'est extraordinaire. On est très contents que l'expertise canadienne soit reconnue à l'extérieur de nos frontières pour faire avancer la diversité. Et en plus de 9 festivals, vous avez une fondation. Oui. La Fondation Fabienne Collat. Parlez-nous un peu de l'objectif de cette fondation-là. Ah, merci, parce que souvent, on me parle des festivals et moins de la Fondation. En fait, la Fondation Fabienne Collat est à l'origine de tout ce mouvement de la diversité à l'écran qu'on a créé il y a 15 ans à peu près. Et aujourd'hui, la Fondation a créé un gros programme qui s'appelle Relève et diversité, à travers lequel on donne la bourse, on donne une bourse pour la diversité, on donne du mentorat, de la formation, mais surtout, on a fait un programme qui s'appelle Être noir au Canada, à Montréal, Toronto, Halifax, pour permettre à des jeunes Noirs de créer leur premier film documentaire et on les diffuse partout au pays et on veut les exporter après. Donc, c'est extraordinaire parce qu'on veut créer la prochaine génération de Spike Lee, de Ava DuVernay, un peu partout au pays également. On va revenir dans quelques secondes sur votre cheval de bataille, justement, cette diversité à l'écran et derrière la caméra. Mais votre réaction, là, quand vous avez appris que vous étiez parmi les 100 femmes les plus influentes au Canada... Je suis fière, je suis honorée parce que je partage ça avec toutes les femmes d'Haïti, du Québec et surtout les femmes des minorités visibles parce qu'on n'est pas souvent nombreuses. Il n'y a pas beaucoup de femmes de minorités visibles représentées dans ces genres de prix-là. Et je suis honorée d'être là et souvent l'une des rares femmes de minorités visibles. Mais il est temps qu'on soit plus nombreux aussi parce que ces femmes-là brillent dans l'ombre. Elles sont extraordinaires, elles ont beaucoup de talent. Ce n'est pas le talent qui manque, c'est les opportunités. Donc moi, je veux être cet exemple-là pour dire « Hey, il y en a d'autres, je ne suis pas la seule non plus. » Et parlons justement de votre cheval de bataille qui est de militer pour la diversité devant, derrière la caméra. Quel constat vous faites dans ce début d'année 2020? Est-ce qu'il y a du progrès? Il y a du progrès. Le progrès n'avance pas au rythme anticipé, au rythme qu'on aurait voulu, parce qu'on ne peut pas compter le nombre de personnes de la diversité sur une main ou deux. Là, ce n'est pas normal, ce n'est pas assez. Donc, si on peut encore le compter sur une main ou deux, donc ça veut dire qu'on n'est pas rendu encore. Mais je pense qu'il y a des progrès qui ont été faits. On va continuer de travailler avec le milieu artistique, on va continuer de travailler avec le milieu des médias, de la télévision et surtout le milieu des partenaires parapublics comme Téléfilm Canada qui est notre partenaire depuis plusieurs années et qui a vraiment cette priorité-là comme cheval de bataille pour faire avancer la diversité. On travaille aussi avec d'autres amis de la télévision comme vous, comme Québécois, on travaille avec la Banque TD pour faire avancer les choses et là on vient de commencer à travailler aussi avec la SODEC. Louise Lantagne est très préoccupée par cette cause-là. Donc, je pense que ça passe beaucoup par là, mais aussi, ça prend un effort concerté du fédéral, du municipal, du provincial pour vraiment éradiquer ce phénomène-là en octroyant des incentives, en octroyant des fonds et aussi en pénalisant ceux qui excluent. Parce qu'aujourd'hui, la diversité est partout, mais l'inclusion, c'est un choix.
Donc, si c'est un choix et vous ne le faites pas, donc ça veut dire que vous faites le choix de l'exclusion à ce moment-là. Et je pense que ça ne peut pas passer inaperçu. On est en 2020, donc c'est la diversité ou rien, quoi. Et espérons donc que 2020 apportera un pas de plus dans la bonne direction. On travaille fort et puis on veut avancer et puis je pense qu'on est sur la bonne voie. Et vous devenez donc un symbole, un exemple à suivre, entre autres pour les femmes d'affaires qui voudraient se démarquer. Fabienne Collard, merci beaucoup d'avoir été avec merci nous. Et félicitations pour cette nomination au sein des 100 femmes les plus influentes au Canada. Merci beaucoup. Merci à vous.